Aymeric Connery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show. On a une partie de la réponse de Matt Podcast. On va écouter, il s'est exprimé hier justement à travers une vidéo. On écoute. Mon contenu, Matt Podcast, il aurait réagi de la même façon que tous les internautes. C'est pour ça que je dis qu'ils sont très légitimes. On travaille vraiment comme des oufs pour vous produire du vrai contenu original pour faire kiffer les gens qui me suivent. Et j'espère que cette erreur ne sera pas fatale. Et... Paul, dis-nous, toi, pour clore. Pour clore, écoute, moi je songe, je vais réaliser un film qui s'appelle ouais. Bienvenue chez les Ch'tis. J'espère que ça marchera. Ah, il est énorme. Et en parlant de ça. Eh, moi, tu es. Hashtag Rico Show. Mais non, mais attends, je rigole, s'il m'écoute, il sait que je le kiffe. Je pense que ça va cartonner. Attention, on a Valentin pour toi au téléphone, mais bientôt casque, Paul, et il veut te parler, voilà, et je te laisse gérer la conversation. Valentin, allô? Ouais, Paul. Ouais, Valentin, t'es avec Paul, ça y est, je te laisse. Salut, ça va? Allô, Paul. Ouais, nickel, et je kiffe grave les petits princes. Ok, ça c'est Matt Podcast, c'est pas Valentin. Ah bon? Ça c'est Matt Podcast, allô? C'est qui Matt Podcast? C'est Matt Podcast, je suis sûr à 200%. Ah bon, moi je te jure que je sais pas. Bien sûr que c'est Matt Podcast. Eh, hey, trop de balles, dis-moi. Comment c'est Matt Podcast? Comment ça, je comprends pas. C'est qui attends, Paul? Est-ce que c'est vraiment Valentin? Bah oui, c'est Valentin. Ah, c'est... Ah putain, excuse-moi. Pardonne-moi. Eh, Paul, il nous fait. Là, Valentin. Et les gars, vous me dites ça. Et vous avez pensé quoi du passage d'Adèle ta chérie d'amour dans la vidéo? J'ai pas compris. Vous pensez quoi du passage d'Adèle ta chérie d'amour dans la vidéo? Ah, je sais. Il a fait une vidéo, Matt, pour s'excuser et il a fait venir une youtubeuse. Ok, je sais pas qui c'est. D'accord, mais Valentin, tu viens pour parler à Paul? J'ai pas compris. Non, moi je viens pour vous présenter deux amis à moi qui s'appellent Matt Podcast et Adèle ta chérie d'amour. Mais oui, c'est ça, c'est Matt. Bonjour, ça va? Allô? Oui, je suis avec Matt et Adèle. C'est pas vrai. Mais si, c'est lui. C'est pas vrai. Rico! Ouais! Eh, t'as oublié mon numéro, toi! Je t'ai dit ou pas, Matt? Matt, t'as oublié mon numéro, hein! Bah, tu me l'as pas donné! Bah, arrête tes conneries, je t'ai envoyé mille et un message pour que tu t'exprimes dans le Rico Show. Tu sais ce qu'on va faire, tu Matt? M'entends ou pas, Matt? Ramène-moi un billet de 50 balles, je t'ai lynché. Matt, tu sais quoi? Tu vas t'exprimer, tu vas rester avec nous. Bah, non, je suis pas là pour ça, vraiment. Je suis là pour dire à Paul du succès pour son film. Ouais. Arrête, hypocrite, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'appelles? Regarde, j'ai dit du bien de toi et tout, frère. Ben oui! Et attends, qu'est-ce que t'en penses? Il va sortir Bienvenue chez les Ch'tis! Bah, j'espère que tu me réserveras un petit rôle! Bon, Matt, ça va pour toi? Dis-nous comment ça se passe pour toi dans ta tête? Ça va? Tu t'en sors avec cette histoire? Tranquille. Bon, ok, c'est bon l'essentiel. Courage. Écoute, on te souhaite bon courage. Non, en plus, j'ai appelé avant même que vous parliez de ça, avant de comprendre que vous parliez de ça, donc rien à voir. Ah, donc. Kiffe tout et voilà. Simer mon pote, merci beaucoup. C'est gentil Matt d'être passé. Merci. Dans le Rico Show. Et merci pour les gens qui ont défendu un peu mon cas. Je t'en prie. Ah et t'as vu, il y a Alex qui t'a défendu, il y a Albors. Après bon, on a nos amis youtubeurs Bayou et désolé encore aux gens et tout aux youtubeurs tout ça. Ouais, est-ce que franchement Matt tu t'en veux d'avoir fait ça parce que c'est que t'es comment, t'es dans quel état d'esprit? Bah non, je vais pas te répondre l'inverse, tu vois ce que j'ai, je vais pas te dire non, je m'en veux pas, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs tes vidéos toi étaient tournées sur l'émotion, on sent bien que t'as une tristesse quand même. Tu te sens comment? T'es dans quel état d'esprit toi, sincèrement? Aujourd'hui, est-ce que t'es malheureux? T'as l'impression d'avoir fait une connerie comme une connerie qu'on fait à l'école? Ou est-ce que t'es triste au fond de toi? Est-ce que l'homme est touché? La famille est touchée? Comment t'es? Dis-nous. Bah écoute, évidemment je suis pas fier. Ouais. Et puis voilà. Bah tu peux hein. c'est Paul qui dit ça. J'ai compris, j'ai entendu. Et puis voilà. Moi, il y a un truc. Matt, il y a un truc pour aller un peu dans ton sens, juste pour donner un argument. Ça fait quand même un bail que ces vidéos à lui sont publiées. Et j'aimerais que tu essayes de nous répondre pourquoi maintenant. Est-ce que y a des gens qui se sont unis pour te mettre en péril? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais trop en train de buzzer, on a voulu te casser la gueule. Raconte-nous. Non, c'est le forum jeuxvideo.com quoi, qui a découvert ça et ils ont fait une attaque. Ouais. Ouais, mais par contre, a priori, juste pour une dernière question, a priori, toi en plus, quand tu faisais les vidéos, c'est ce que t'as dit à un certain moment, t'avais quand même l'accord des personnes pour faire ces vidéos-là au départ. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. T'avais l'accord avec des personnes qu'on dit que tu as plagié, au départ, ils étaient quand même au courant que t'allais reprendre leurs vidéos.
Je pense à Motoki et je sais pas qui là. Ah bah non, ils étaient pas au courant. Ah, ils étaient pas au courant, d'accord. Donc en fait, mea culpa, on a tous droit à une deuxième chance. Et l'idée c'est ça, et l'idée c'est que tu repars à zéro et on te souhaite bonne chance, c'est ça Matt? C'est gentil, merci beaucoup. J'étais pas là pour parler de ça au début, c'était juste vraiment pour encourager Paul. Donc force à Paul et kiff. Bisous mon pote. Écoute, ciao, mon pote. Merci Matt, merci d'être passé. Et voilà, c'était Matt Podcast dans le Rico Show. C'est une émission folle, voilà, et c'est sympa qu'il soit passé. Amaury, ce qui serait intéressant, c'est que rapidement vous fassiez un petit droit de réponse de Matt, et puis on le donnera à ceux qui n'ont pas pu être là et qui puissent un petit peu savoir les états d'âme de Matt, parce qu'on a été quand même les premiers à avoir ces sentiments ici dans le Rico Show. Emric Bonnery, pour le contrôle de l'antenne dans le Rico Show.